find me before I find you. Salut les amis, bienvenue sur Exomadra TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends. On va enfin parler de l'event de collection qui va sortir mardi prochain, Beast of Prey. Franchement, ça va faire un mois et demi que la saison 14 est sortie, on n'avait rien du tout, aucune information, aucune communication. Enfin, on arrive au bout du tunnel, l'event de collection arrive, il va s'accompagner d'un gros patch correctif avec pas mal de petits changements. On va y revenir après dans la vidéo, mais avant de commencer, on va d'abord se regarder ensemble ce petit trailer. Je vais vous dire les skins qui me font kiffer, etc., ce qui me plaît pas. Et puis ensuite, la chose qui va vraiment me hyper le plus, c'est ce nouveau mode temporaire, le mode Gun Game, qui j'espère va nous apporter beaucoup de fun. On va passer en plein écran pour regarder le trailer et ensuite on reviendra sur le site officiel du jeu. Alors c'est parti pour le trailer, comme d'habitude, pas de son, on va faire un petit arrêt sur image juste là, le skin de Lifeline sur le thème de Predator. Personnellement, le skin est travaillé, il est pas moche, le skin du Peacekeeper est sympa aussi, mais j'ai un petit souci au niveau des couleurs. Franchement, les couleurs me font pas trop kiffer. Ce vert, ce rouge, avec cette couleur métallique et des parties en cuir, je suis pas spécialement fan. Donc lui, je le valide pas. En revanche, le skin d'Horizon qu'on a pu apercevoir juste ici, sur le thème d'Alien, j'aime beaucoup, on va le voir un petit peu plus en détail juste après. Le skin de Mirage, je vous avoue que le chapeau de cowboy pour moi, il vient tout gâcher. Le skin de Pathfinder, pas ouf, par contre j'aime beaucoup le skin d'Octane. Alors attention ceux qui vont me dire, attention Exo, t'es négatif, t'es positif, etc. Je suis désolé, sur cet event, il n'y a vraiment que quelques skins qui sortent leur épingle du jeu. Le skin d'Octane pour moi, le skin d'Horizon, le reste c'est quand même pas folichon. On y va, on continue, donc on regarde un petit peu ce qui se passe. Là, on voit le skin de Loba de dos, on va le voir juste après. Voilà, ici, on voit très bien le skin d'Horizon accompagné du skin de Rampage. Alors, franchement, je trouve que l'ensemble du design est vraiment sympa. Et Horizon, qui n'a pas des skins très ouf, je trouve, mais je trouve que celui-là est vraiment très cool. Donc, on continue d'avancer, on voit très bien le skin d'Octane ici, assez particulier, mais quand vous le voyez bien en détail, il est vraiment sympa. Et ici, on voit Loba, hein, qui va avoir un skin qui n'est pas terrible, hein, selon moi, hein. Pas très fan, il est sur la miniature de la vidéo et elle va voir son fameux heirloom. Alors on passe directement sur le mode gun game, gun run hein, en anglais, et en fait vous allez voir qu'on se retrouve sur l'ancienne version de King's Canyon. Je sais pas si vous avez capté, alors ici on revoit le skin d'Horizon. Vous voyez que sur notre bien aimé Skull Town, on n'a pas les nouvelles structures, on n'a pas les murs, donc c'est l'ancienne version. Et bizarrement, vous allez voir, il y a une sorte de dôme au-dessus, coupe du reste de la map. On va l'apercevoir un petit peu plus tard dans le trailer. Voilà, ici vous voyez en haut, il y a des structures qui viennent délimiter la zone de tout l'ensemble de King's Canyon. Donc là on voit des skins, hop là, on voit un petit sort de hache, de l'Horizon encore, avec le wingman du Battle Pass. Vous retrouvez cette zone qui était la zone de King's Canyon avant qu'elle soit modifiée, enfin de Skull Town avant qu'elle soit modifiée. Et on va revenir justement sur les détails de ce mode juste après, une fois que le trailer sera fini. Et pour terminer le mode Gun Game, vous aurez une nouvelle arme, le couteau de lancer, que l'on pourra d'ailleurs utiliser dans le camp d'entraînement pour justement se perfectionner et savoir l'utiliser correctement. On va continuer pour faire l'analyse des skins. Alors, on aura Skull Town en map, donc l'ancienne Skull Town. On retrouvera également la gare de Fragment Est sur World's Edge. Et ensuite, on va voir tous les cosmétiques passés en revue très rapidement. Donc ici, le skin de Loba. Franchement, je suis vraiment pas fan. Il y a vraiment beaucoup mieux en skin de Loba. Ici, on aperçoit le skin d'Octane que je valide et le skin d'Horizon aussi que je valide. En revanche, pour le skin du Mirage, pour moi, c'est un gros nom. Le chapeau n'a rien à faire. Alors, dans le thème Predator, on a un personnage qui a un chapeau comme ça dans le film Predator. Mais pour moi, je sais pas, ça va pas du tout avec le thème. Le skin de Pathfinder, il est très simple. Le skin de Rempart, il est pas mal du tout, le skin de Rempart. À la limite, le skin de Rempart, je trouve pas dégueu. On l'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et ensuite, on a le skin de Lifeline, et malheureusement, je n'aime pas du tout les couleurs de ce skin. On a le skin de Peacekeeper qui va avec, et après, on va les revoir justement sur le site officiel, avec la petite exécution de Lifeline ici. Ensuite, dans les éléments gratuits, on va avoir un skin de Flatline, un skin pour Vantage, qui est pas mal quand même pour un skin gratuit. Je trouve qu'il est assez travaillé. Un petit pendentif ici. Et ensuite, on va enfin voir le fameux heirloom de Loba. Ça va arriver. Voilà, ici, le fameux éventail de guerre qu'elle déploie. Et vous allez voir les animations qui sont quand même très stylées. Là, elle se fait revenant avec. Et ensuite, sur le site officiel, je vais vous montrer les animations. On les voit ici, voilà. On la voit en train de découper un des crânes de Revenant avec la colonne vertébrale. Mais on va voir ça plus en détail juste après.
C'est donc parti, on revient en format news, donc on voit bien le skin de Lifeline ici, hein. Alors je confirme, hein, je n'aime pas les couleurs, et on nous parle du nouveau mode à durée limitée, course armée. Dans ce mode, vous allez affronter 3 autres escouades dans une véritable course à l'armement. Chaque fois que vous réalisez un frag avec une arme, vous passez devant vos coéquipiers et recevez la meilleure arme suivante de la liste. Jouez en équipe et remontez la liste aussi vite que possible en profitant des munitions infinies, d'objets de soins et de réapparitions automatiques. Alors ce mode gun game, moi je vous avoue, j'ai beaucoup joué sur Battlefield 3, sauf que sur Battlefield 3, si je dis pas de conneries, c'était pas en équipe, c'était chacun pour sa mère. Donc là, on va voir en équipe ce que ça va donner. Votre prochaine arme s'affiche au-dessus de votre arme actuelle, tout comme celle d'après. La valeur de boost vous permet de savoir combien d'armes vous passerez dans la liste en réalisant votre prochain frag. Lorsque vous marquez des points, si vous êtes à la tête de votre escouade, vous passez simplement à l'arme suivante sur la liste sans en passer aucune. Donc là, par exemple, vous avez une flatline. Dès que vous allez abattre un ennemi, vous allez passer en Spitfire et puis ensuite en A-Star et ainsi de suite. Hein. La dernière arme de la liste est un nouveau couteau de lancer que je vous ai montré juste avant, exclusif, avec lequel vous pourrez vous entraîner sur le stand de tir pendant l'événement seulement. Après, il ne sera plus accessible. Coordonnez-vous et devenez la première escouade à réaliser un frag avec le couteau de lancer pour remporter la partie. C'est le principe du mode Gun Game. Course armée sera disponible du 20 septembre au 4 octobre, donc 2 semaines, sur les cartes de la ville cimetière, l'ancien Skull Town de King's Canyon et fragment est de bord du monde avec la gare. Ici, on voit le skin de Luba avec son fameux heirloom dans les mains. Et puis là, on va voir justement les skins qui vont passer en revue. Donc on voit skin de Lifeline avec le Peacekeeper, skin de Mirage avec un Alternator qui est pas dégueu l'Alternator, une Avoc pour Pathfinder sur son thème, une Prowler qui est très stylée pour Octane, et ensuite une Rampage pour Horizon qui est très cool aussi et qui va bien dans le thème. Ensuite, on va regarder les animations du heirloom qui ont l'air d'être vraiment stylées. Je pense qu'il y aura des petites animations cachées. On la voit jouer avec son éventail de guerre sur le crâne de Revenant et le couper en deux. Et je trouve que c'est très bien fait et je pense qu'on aura plein d'autres petites animations qui ne sont pas encore dévoilées. Donc comme d'habitude, malheureusement, pour avoir cet heirloom, 160€, acheter tous les skins de l'événement ou bien utiliser les petites techniques pour essayer d'optimiser le prix. Vous tapez sur ma chaîne Exomadara heirloom moins cher et vous allez trouver une vidéo qui vous explique comment faire pour le payer le moins cher possible. D'ailleurs au passage, je vous le dis, si jamais vous comptez mettre de l'argent dans le jeu sur cet événement, vous pouvez passer par mon lien Instant Gaming pour soutenir la chaîne et je vous en remercie énormément. Ensuite au niveau du suivi de récompenses, comme d'habitude on aura des récompenses gratuites qu'on a vu auparavant avec un joli skin pour Vantage. Et là on a un skin d'une arme, alors j'arrive pas à voir ce que c'est comme arme. On a un skin de Flatline ici, mais là je vois pas, est-ce que c'est un pendentif? Franchement j'arrive pas à voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez ce que c'est, je crois que c'est un pendentif, je sais pas. Non, c'est pas un pendentif, mais j'arrive vraiment pas à voir quelle arme c'est. Alors là, par contre, je suis vraiment désolé. J'arrive pas à percuter. On dirait une dévotion, j'ai l'impression. Une dévotion ou une Spitfire. Une des deux, en tout cas. Et on aura des trackers de stats, bien évidemment, comme d'habitude, et un petit pack Apex. Et de la musique et un badge. Ensuite, dans la boutique du 20 septembre au 22, vous allez retrouver ces éléments-là. Donc un bundle de remparts avec 7 packs, un bundle de Lifeline avec 3 packs. Du 23 septembre au 27 septembre, on retrouvera ce fameux skin de Vryze qui avait eu pas mal de succès. Un ancien skin des ALGS qui avait permis d'avoir du cash prize. Du 27 au 30 septembre, il va y avoir beaucoup de rotations. Alors franchement, ce pack de hache, je vous déconseille de l'acheter parce que vous pouvez le drop très facilement dans des packs normaux. Ou du moins, maintenant, il fait plus que 1200 matières premières. Et ensuite, du 30 septembre au 4 octobre, ce skin de Revenant que je trouve horrible. Par contre, ce skin de Lifeline que je trouvais très sympa. Au niveau du patch note, on a des ajustements en arène. Le coût des munitions Hammer Point accru pour le Mozambique. On passe de 100 à 150 en blanc, de 200 à 250 en bleu et en violet de 500 à 700. Et j'avais entendu que dans le rang Predator ou Master en arène, beaucoup de gens jouent avec le Mozambique Hammer Point. Au niveau de rempart, Sheila hérite désormais des paramètres de sensibilité du niveau de sensibilité optique le plus proche. Pour une fois 2, zoom de Sheila mobile et pour une fois 3, zoom de Sheila fixe. Et ensuite, on a tout simplement plein de petits bugs qui sont corrigés. Donc avec Vantage, correction d'un bug avec un émote burinage de Vantage, qu'il a plaqué au sol au lieu d'être debout. Correction d'un bug qui causait des incohérences dans l'affichage des munitions de l'arc Bocek. Correction d'un bug pour Vantage à cause duquel utiliser sa capacité tactique dans le portail de Vryze maintenait le joueur en vol et plaçait sa capacité tactique en rechargement. Le décompte du franchissement des limites commence désormais quand le joueur touche le sol hors des limites. Sur PS5, la vitesse de défilement accrue dans les menus. Correction d'un bug qui faisait que les cellules de bouclier affichaient la mauvaise quantité de soins disponibles lorsque les dégâts étaient subis. Pour Newcastle, correction d'un bug qui faisait que la capacité ultime continuait de voler même lorsque Newcastle était mis au tapis. Pour le mode contrôle, qui n'est pas encore de retour, hein,
pour action d'un bug qui empêchait un joueur, en quittant le jeu pendant le chargement de la carte, de choisir un emplacement d'apparition après avoir réouvert le jeu. Donc ça veut bien nous dire que le mode contrôle va revenir. Encore un bug corrigé sur le mode contrôle qui empêchait les joueurs de capturer des points de contrôle lorsqu'ils se trouvaient en phase. Et sur Stormpoint, suppression de la possibilité de faire du tap strafe dans les canons gravitationnels uniquement. Donc voilà les amis pour ce patch note. Au final, je m'attendais à un patch note plus conséquent. C'est une petite mise à jour qu'on aura avec cet event. Mais dans tous les cas, on va avoir enfin un nouveau mode temporaire qui, j'espère, va nous faire kiffer. Parce qu'on a vraiment besoin de nouveautés sur Apex Legends à la place d'une multitude de skins. Alors les skins, c'est bien, c'est sympa. Mais bon voilà, si jamais vous investissez pas dans le jeu, on s'en fout. On a surtout envie d'avoir du fun. Et je vous rappelle une fois de plus que les skins sont sur le thème d'Alien et Predator. Sur ce les amis, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et je vous retrouve très rapidement pour faire justement un débrief des skins dès mardi soir et puis d'autres infos d'ici là. Sur ce, très bonne journée à tous. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same.